La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine. Yo yo yo. On a eu la merveilleuse idée de faire un 24 heures. On s'arrête pas de faire du sport épisode 2. On l'a fait l'année dernière, c'était super dur. Et là, ça va être encore plus dur. Change de côté de la caméra un peu. Montre-leur la vérité. Regardez le jour où on choisit. Le jour où on choisit de faire ça, paie-moi le temps. Mais vas-y. Moi je vous dis la vérité. Je voulais reporter la vidéo. Yacine m'a dit c'est que de la pluie. Eh, vous me rendez ouf ceux qui disent il pleut, moi je sors pas. Vas-y, on va commencer par notre activité préférée. Oh, il y a une dinguerie, je vais être équipé d'un capteur comme les footballeurs professionnels. Et le capteur, en gros, il va prendre toutes mes performances de la séance du jour. C'est-à-dire ça va prendre ma puissance de frappe maximale, ma vitesse, tout, ça va être incroyable. Vas-y, mets-le. Regardez, il va le mettre là-bas. En gros, faut le mettre là. Faut le mettre ici. Juste en dessous du genou. Et genre, c'est pas gênant? Bah non, en vrai, tu le sens pas. C'est comme un protège tibia. Ah ouais. Et là, il va tout mesurer sur l'application. Il y a personne comme il pleut là. Aïe. Ça fait plaisir. J'aime bien les stades vides. Là, je suis en train de rentrer sur le terrain avec le trépied. Je me dis, mais Younes, qu'est-ce que tu fais? Va jouer à la play, va regarder Netflix, va manger un grec. Il pleut, reste chez toi. Et non. Pour vous, on va le faire. On est un petit peu échauffé, il fait un peu froid, mais c'est pas grave. L'exercice, il est simple. Le premier exercice. Il y aura un goal, il va faire la passe, l'autre il contrôle orienté. Pour l'instant, le goal il casse une pointe dans son but et l'autre il doit marquer. On a 3 chances chacun, on va voir qui met le plus de buts. Shifumi. Je commence. Ok. Je marque pas, mec. 1-0. Vous connaissez ça, le terrain vu qu'il est mouillé, il fuse. Ça, seuls les footballeurs connaissent ça. Du coup, faut tirer pour que la balle la fasse. Si en vrai, j'abuse. J'avais juste à faire ça. Ça fuse. Attends, t'inquiète. Hey, je fais pas le malin, j'allais tomber, je vous promets. Au moment où j'ai mis ma frappe, mon pied gauche il a glissé. J'allais tomber. Sur 3, ça fait plaisir. Let's go. On va laisser Younes. En vrai, Younes, il en met pas un. J'avoue, il a mis 3 sur 3. La famille, j'ai les mains. Wallah, regarde mes mains, ils sont tout rouges. Je pourrais pas jouer à la play si j'arrête ses frappes après. Je me pourrais pas. Est-ce que t'as vu la frappe comme ça là? Ça, c'est la spéciale. Non. En plus, il dit quoi? Il dit je touche pas, ça fait la barre. La troisième frappe, je vais l'allumer. Il fait moins 5 degrés, il l'allume. Si je la touche, mon bras, il y a moyen, il explose. Là, ça va être simple. 1v1 dribble. Le but, c'est d'aller soit dans la porte à droite, soit dans la porte à gauche. Et l'autre, il a le droit de défendre. On va passer 3 fois chacun. C'est parti. Et j'ai les mains glacées. Je pourrais pas jouer à la play ce soir. Bon, la première technique, les gars, c'est de ne pas faire de gestes. C'est d'accélérer sur un côté le plus vite possible. Comme ça, il pète un 4 dans sa tête. T'es prêt? Je vous ai dit, ça c'est la première technique à la N'Golo Kanté qui est blessé d'ailleurs, bon rétablissement. Hey, je vais faire sa même technique, on va voir si ça marche. Hey, y'a pas de virgule ici. Il m'a fait la même technique ce recopieur. Hey, je vous promets, ceux qui font du foot, les gestes techniques, c'est pas que ça sert à rien, mais si tu prends de la vitesse contre un... J'ai dit, je vais faire la même technique. Ouais, si tu prends de la vitesse contre un adversaire, c'est impossible qu'il te la prenne. Non, c'est impossible. Je voulais un peu travailler, mais je me suis dit... Il pourra jamais me travailler. Parce que tu restes sur ses appuis. Parce qu'en fait, je fais le recul frein. C'est-à-dire, ça, c'est la technique pour pas se faire taffer, tu vois. Mais je suis passé quand même, ça fait du temps. Oui, il est passé, mais moi, j'ai gagné du temps. C'est-à-dire que mes potes, ils ont le temps de revenir. De 1, y a pas de potes. Et de 2, je me suis pas fait humilier. J'étais vraiment à ça de l'avoir. Je pense que la troisième, je vais l'avoir. La troisième, je vais l'avoir. Inch'Allah, là, faut que je finisse. La feinte était aux oignons, aux petits oignons. Je te promets que j'avais anticipé le bon côté. Incroyable la feinte. Il le casser. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Il faut un gagnant. Avant de changer de sport, il faut un gagnant. Se départager, on va faire un truc. On a une seule frappe chacun. Celui qui met le plus beau but, il gagne. Allez, c'est parti. Faut pas que je fasse la spéciale. C'est quoi? Il y en a qui peut-être que vous entendez dans la vidéo la spéciale. C'est Ramdan, il m'a baptisé ça, il est spécial. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos frappe, ma première frappe, je la mets tout le temps à gauche. Moi, vous connaissez, je suis nul au foot, mais je sais bien tirer. Donc, normalement, je dois le taper. C'est grave paradoxal ce que tu viens de dire. Je suis nul au foot, mais je sais bien tirer, l'a dit.
Bien, je suis nul au foot, mais je sais bien tirer. Je suis gaze au foot, mais en frappe, je suis trop fort. Je sais pas pourquoi. Depuis que je suis petit, quand j'étais en U, combien? En U12. Mais le foot, la première chose qu'on demande aux footballeurs, c'est de savoir tirer, de marquer, non? Ouais, c'est vrai. Bah, on arrête de dire je suis nul au foot. En U12, je tapais les coups francs, j'étais capitaine, et j'ai toujours eu une bonne frappe. C'est un don de Dieu, tout simplement. On va se doucher, on va faire notre prière, parce que c'est l'heure de la prière. On est rentré, on a fait la prière. Oubliez pas une chose, c'est que c'est très très important. Quoi que vous fassiez, quelle activité que vous fassiez, oubliez jamais la prière. C'est la chose la plus importante dans la vie pour les musulmans. Et là, on est reparti pour du sport. Et que du sport aujourd'hui. C'est KO là. Hein. Là, on doit sortir. Et là, il va y avoir un truc de ouf. Là. Il y en a un qui va courir derrière la voiture et l'autre qui va conduire. Ça veut dire tout le trajet de la voiture, l'autre il va devoir le faire en courant. Alors, là, c'est celui qui gagne, il conduit. Celui qui gagne, il conduit et l'autre il va à pied. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Mon gars, tu vas courir. Yes! Tu fais quoi? Arrête, vas-y, t'as pas le droit. Triche pas. Non, arrête, triche pas. Non, pas. Pourquoi moi je cours, je suis un chien? Bah, t'as perdu le pare-feu-ciseau. Bon, là, il court. On lui laisse un peu d'avance. Oh, on lui laisse un peu d'avance, il y a des voitures derrière. Allez, c'est parti. Il y a des voitures derrière, je crois. Ils veulent pas me laisser dans la voiture. Ouais, je me sens. Il y a une voiture derrière, on peut pas, il y a une voiture derrière. Mais attendez. Derrière, on est obligé d'accélérer. Là, on est à 20 km/h là. 23, 25, oh 27. Ouais, je peux pas courir là. Il bombarde hein. Quand même hein. Il était à 30. Il est là. L'autre côté. Eh, hey, t'as couru à 30 km/h. Moi je suis lenti. 30 km/h t'as couru. Vous pouvez me laisser rentrer? Ok, Mais vite, t'as le feu rouge, vite. Combien de gymnastes sur Terre ont gagné d'une coupe? Pas de faire fou. Il y a grave des voitures, je sais pas ce qui se passe. C'est la sortie des enfants de l'école. Il y a trop de gens sur la route, Myriam. Ça me rend ouf. C'est normal parce qu'il y a des gens qui sortent de l'école. Les gens ils sont stressés, Younes on l'a perdu, je sais pas il est où. Mais il a couru à 30 km/h, machin là. C'est bien. Cours vite. Moi tu vas à ton avis je vais à combien? Toi? Ouais. À 12. Non, plus. Bon, les amis, nous on va avancer. Et Younes, je sais pas, il est où, il va devoir courir, les frères. On est rentré parce que c'est bientôt la prière. Younes, il nous a appelé. Il a dit, vous êtes où? Parce qu'on devait le reprendre un point de rendez-vous devant un poulet. On est rentré directement, du coup, il va devoir courir plus longtemps. J'ai croisé des petits abonnés, ils m'ont dit, Yassine, il est parti. Il roulait trop vite. Je leur ai dit, dès que vous voyez Yassine, arrêtez-le. Attendu, moi, je t'ai dit, va passer par le poulet. On l'a attendu, il était pas là. À partir de maintenant, c'est la roue qui va contrôler notre journée. Donc il y a plein de sports, vous allez voir, il y a burpees, natation et tout. Et selon sur quoi on tombe, on va devoir réaliser le sport. Eh hey, mais on le fait vraiment, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Ok, je présente la roue, on a tennis, on a assaut bike, ça c'est un vélo de la torture. On a muscu, natation. Ouais. Défi burpees, basket, tapis défi et burpees défi. Tu sais pas nager? Hein, bah, à la piscine, tu sais pas nager. Si. Ouh. C'est quoi? Muscu, mais ça va être moi qui va te faire souffrir. Tu vas pas faire tes séries de facilité là. C'est frérot, musculation, ça va, on peut savoir. Ok. Oh les gars, le temps. Oh, aujourd'hui, c'est une dinguerie. Ah, bah, je vois, il a déjà commencé. C'est super ça. Aïe. Ouh là 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 là, mais là crois pas si je vais te proposer des défis. Hein. Ah, c'est grave. C'est bien d'avoir commencé, mais là je vais te proposer des défis. Donc, toi, des défis de musculation. En plus toi t'es bien, t'as mis les matchs de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu fais de la muscu, tu crois on est chez le coiffeur quand il met les matchs de la Coupe du Monde. Les amis, on va voir si Yassine est chaud. Donc il va se mettre en mode pompe et je vais lui ajouter du poids dans le dos. On va voir combien il peut soulever au maximum. Tu penses c'est quoi ton max? 20 kilos. Non, le mytho. Je pense à 40 kilos, il va bugger. Passe direct à 15. Ok. Vas-y, mets-toi en position. Là, on commence à 15. Oh là, je suis pas sûr de réussir. Arrête. C'est bon? Ouais. Facile. 20 kilos. Arrête de dire c'est ton max. Donne-toi à 100%. Ok, attends. L'esprit de Naruto, Shonen, je sais pas ce que vous me racontez. Il n'y a pas d'esprit de Naruto, de Shonen. Tu me racontes. Allez, 20 kilos. Sa mère, c'est lourd. Je le tiens. C'est bon? Je le tiens. Oh! J'ai pris un coup dans le... Mais baisse doucement. Eh, quand je suis descendu, l'haltère, il était sur place, il a fait ça, il a tapé mon dos. Oui, mais faut que tu baisses doucement. Ah, attends, il n'y a pas tout. Attends, je suis même pas en place. Il manque une dernière de... Ah, et ça fait grave mal, hein. Oh. Attends, voilà. J'enlève. Ouais, ça fait grave mal, il y a un anneau au milieu, il tue le dos. Oh. Va falloir supporter, mec. Ah, sinon, je te mets un tapis sur le dos. Voilà, je te mets là, il n'y a pas d'anneau, il n'y a pas de... Je sais pas quoi. C'est l'air. Allez, 35. C'est mal, tu mets une demi-heure à l'air, je sais quoi. Oh, putain. Vas-y. Doucement. C'est bon? Ouais.
C'est trop à droite. Ok, je le mets tout ça à gauche. C'est bon? Ouais. Ok. Monte, monte. Oh le boss, 40 kilos. Eh, hey, t'es chaud toi. Ok. Attends, je ramène l'autre. Bouge pas. Vas-y, vas-y. Oh aïe, je aïe, pose, aïe. Je pose, je pose. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, quand okay. Tu veux. Ok. Allez, monte, monte, monte. Oh là là. Ah, mais c'est trop lourd. On va lui mettre 55 kilos. Doucement. Il est bien positionné. C'est pas trop haut là. Alors là, je pense que c'est... Ok, 20. 40. Wow, wow. 55. Je suis pas un cheval quand même. Vas-y, vas-y, essaye, essaye. Et tiens. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tiens. Ouais. Monte, monte, monte. Pousse, pousse. Ah, ah, dommage. Bon, allez, salut. À mon tour, juste mettre ça dans ma main. J'espère pour que tu vas tomber. J'espère que tu vas tomber sur Asobike. Asobike. Comment t'as fait? Allez, mec. Vous voyez ce vélo là? On l'a acheté que pour souffrir. Allez, arrête de parler, faut monter dessus. C'est quoi le défi? Le défi, ça va être que tu vas faire que des accélérations de 10 secondes. Et à chaque fois, je vais te poser des questions. Si tu réponds bon à la question, tu peux arrêter. Si tu réponds pas bon, tu devras augmenter la vitesse de puissance. Voilà, je vous dis à chaque fois de travailler à l'école. Dans votre vie, vous arrivez des trucs comme ça. Bon, allez, c'est parti. Déjà, tu commences. Première accélération de 10 secondes. C'est parti. Déjà. Ok. Première question. Ouais. Cite-moi trois joueurs de foot du Danemark. Mais putain, si. Attends. Eriksen. Ok. Je sais pas, Patou Lassen. Allez. Je les connais pas. On augmente la puissance. Ah. Deuxième question. Cite-moi la capitale de l'Australie. Oh, je l'ai entendu hier en plus. Ça commence par un P. Melbourne. Oh le... Du Wallah, c'est ça? Ouais, c'est Melbourne. Yes, c'est fini. Yes. Eh, ça y est, je suis KO, s'il vous plaît, non, arrête. Attends, je peux jouer pour toi? Bah, laisse-la jouer pour toi si bah, t'es si KO. Si tu joues pour moi, c'est toi qui fais le sport. Non, non, elle tourne pour toi, mais elle, elle a de la chance, elle va tomber sur natation. On va aller à la piscine, on se met bien. Ok, décalé. Tombe pas sur un truc de ouf, hein. Oh, tapis défi. Tapis défi. Regarde, le triangle est sur tapis défi. Ah, t'es mort. Tu vas te lever, s'il te plaît. Tu vas passer à ton défi. Vas-y, va à côté du tapis. Enfin, un petit truc assez sympathique. Un défi de, tranquille pour une fois, non? Vas-y, va. Les gens, t'as vu, quand ils font du sport, ils prennent du plaisir. Fouchi, avec un short qui leur arrive jusqu'ici, ils courent comme ça, machallah. Fais-moi pas un truc de ouf, s'il te plaît. Je t'ai mis en condition, donc tu vois, t'inquiète pas. Ok, t'es prêt? Vas-y. Comment s'appelait mon prof de français en quatrième? Attends, ton prof 4, 3. Eh, hey, mais attends, 2, mais je peux pas augmenter d'une vitesse, ça passe de 8 à 10. Oui, bah c'est ça le principal. Il s'appelait comment mon prof? Monsieur. Passe. Thomas. Vitesse 10. Il s'appelait comment? Il s'appelait Monsieur Cor. Ok. Combien de buts j'ai mis quand j'étais en CM1 dans la cour de récréation? Ça va te faire foutre. Combien de buts? Toi-même, tu sais pas. Si, à peu près, je sais. À peu près? Pas des décors? En CM1. En CM1? Dans la récréation. 40? Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. 150? Augmente à 12. C'était combien? 299. 299? Bon. Ouais, on va te laisser un peu courir. Combien font et tu as 5 secondes? 4 x 9. 5, 4, 3, 2, 1. On augmente. Laisse-moi répondre! On augmente. Mais t'as... tu dis 3, 2, 1, tu me laisses même pas répondre. T'avais 5 secondes, on augmente. Mais laisse-moi répondre! On augmente, s'il te plaît. Ok, on a la vitesse 14, c'est plutôt pas mal. Et l'application, ils ont dit que j'avais 6 à moins vitesse max. Là, on protège là. C'est gros menteur. C'est normal qu'on trouve ça. Des tacos. C'est normal. T'en veux? Oui. Mais vas-y. C'est pas bon, c'est pas un goûter ça. Est-ce que tu peux dire la réplique que notre tonton Ahmed il nous a dit quand on était petit? C'est pas un goûter ça, Younes. Y'a pas d'heure pour manger. Y'a pas d'heure pour manger les trucs comme ça, les gars. C'est pas quand, un goût. Quand vous voulez manger, y'a pas d'heure pour manger. Donc là, on fait une petite pause. Ah, regardez, je les ai cramés. Ah, vous êtes en train de jouer ou vous faites pas du sport? Mais si, regarde, je suis en train de faire les mollets, là. Je te promets, je fais les mollets. Et toi? Quoi? Vous êtes en train de jouer à Fortnite, tu fais pas du sport? Moi, j'ai une compétition de cup de Fortnite, c'est de l'e-sport. E-sport, ça fait du parti du sport. Mais c'est pas du sport, ça. L'e-sport, regarde, je suis comme ça, comme un ouf. Concentré, je bouge mes doigts, c'est comme si je faisais du sport. Défi burpees. Ah bien.
Vas-y, envoie, je suis chaud. Défi burpees, t'as 15 secondes, non, t'as 20 secondes pour faire 15 burpees. À chaque fois que tu dépasses une seconde, tu me donnes 10 euros. Ah, mais il y a de l'argent maintenant, je savais pas ça. Bah, c'est un défi. 15 secondes, 20 secondes. 20 secondes, 15 burpees. 1, c'est parti. 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 5, il reste 10 secondes. 6, c'est impossible. 7, 8, 3 secondes. 9, c'est impossible. 10, ok, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros, 70 euros, 80 euros, 80 euros. Non, tu dois me passer 80 balles. Ton défi, il est impossible. Ah, c'est pas mon problème. Ceux qui me disent que tes burpees ils sont dégueulasses, allez vous faire. Bon, du coup, la prochaine fois qu'on va au magasin, c'est moi qui paye pour 80 euros. Vas-y, ok. Il fait nuit, on est KO. Regardez mes yeux comment ils sont rouges. Ça fait 48 heures, on fait que du sport. Ça y est, on arrête, c'est la nuit. Eh, hey, non, on arrête pas. Moi aussi, je peux proposer une activité. Tu veux faire du sport? Oui, je veux vous faire un cours de gym. Aïe, vas-y, ok. Eh, hey, mais lève-toi, on fait pas ça en gym. Regarde, regarde, il est KO. Je t'ai dit, le 48 heures, ça. On fait pas ça en gym. Ça nous mais a mis. Tire doucement. En EPS, nous, on fait de la gymnastique. Mais Yacine, il nous reste une dernière activité pour valider le défi, c'est de la gym. Oh là là, ça devrait être carré, ça devrait être carré, je pense. Mais arrête la gym, on est plus au collège pour faire de la cross sport, s'il vous plaît. Moi, je sais faire un truc, c'est dormir. Bah, je vais vous apprendre à faire le pont. Ok, vas-y, vas-y, montre. Donc, déjà, vous devez vous mettre comme ça. Comme ça. Mettez-moi comme ça. Tu sais que la gym, ça sert en vrai. Vas-y. Allez! On va voir si t'es un bon élève, lui. Comment c'est une, tu mets c'est pas, une pompe. Pas, c'est une pompe à l'envers, je crois. Oh, vas-y, après. Et après, il faut soulever un peu. Oh là 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 là. Vas-y, après, tu lèves. Wesh. Vas-y, Yacine. Comment tu fais? Comme ça. Lève-toi, va à côté de lui, tu lui expliques s'il n'arrive pas. Ok. Alors. Vas-y, elle va t'aider, la prof. Oh, qu'est-ce que c'est que ce sport? Comme ça? Ok, ouais, bah t'en pousse. Ouais. Vas-y, lève encore. Jusqu'à ta forme marron. On dirait il est possédé comme l'exorciste. Qu'est-ce que tu fais? C'est ton max là? Ouais. Vas-y, je vais essayer. Ça déchire les épaules, j'ai plus de la musculation, j'ai plus de force. Tic et tac. J'arrive pas à faire plus. Voilà, bah je suis c'est pareil. C'est impossible. T'as vu? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas alors qu'on est plus grand? Comme ça, regarde. Je sais pas. Et en plus, on va à la salle. Je sais même faire un truc, je sais même faire. Je sais faire un monsieur lève. Moi, ça me bloque au niveau de mes poignets. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. On va aller vite. Le 48 heures. N'hésitez pas à mettre un max de like, abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao!